Horoscope chinois du jour. Samedi 1 décembre. Horoscope rat. Amour. Tout ira aussi bien que possible pour les célibataires dans le domaine amoureux. Ils se sentiront plus passionnés, fervents et juvéniles que jamais. Nouvelle aventure importante pour certains. Projet d'union légale pour d'autres. Vous vivrez une situation tendre et chaleureuse. Beaucoup plus extraverti et chaleureux que dernièrement, vous renforcerez vos liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire, et vous saurez créer un climat tonique dans votre vie de couple. Argent. Côté argent, surveillez-vous de près. Le fameux bon sens qui vous permet généralement de réaliser d'excellentes affaires vous fera cruellement défaut cette fois. Redoublez de vigilance, car vous risquez de vous laisser influencer, devenant une proie idéale pour des personnes peu scrupuleuses, qui pourraient vous entraîner dans des opérations désastreuses. Santé. L'astre Tessa sera en aspect disharmonique, ce qui pourrait affecter votre morale. Si vous vous sentez à plat, voire sujet à la déprime, une bonne chose à faire, levez le pied de l'accélérateur et vous octroyez des moments de détente, si possible à base de massage et de relaxation. Aussi, fuyez le perfectionnisme, recherchez la perfection, c'est très bien, mais, au lieu de vous miner si vous ne l'atteignez pas, regardez ce que vous avez accompli, et vous verrez que c'est déjà beaucoup. Travail. Cet aspect de l'astre en Kang fera craindre des soucis dans la vie professionnelle ou des préoccupations concernant des affaires actuellement bloquées ou menacées. Attention à tout ce qui pourrait, sur le plan légal, vous atteindre, évitez toute infraction aux lois, et n'agissez pas sans vous entourer de conseillers efficaces. Il vous faudra de la patience et de la diplomatie, qualité qu'il vous sera assez difficile de montrer à cause de l'influence inhibitrice de l'astre Van Kuik. Vie sociale. Avec cet aspect de l'astre Mokduk, ne soyez donc pas surpris si vous avez aujourd'hui une terrible envie d'occuper, autant qu'il vous sera possible, une place de premier rang dans un domaine ou dans un autre. Vous serez souvent respecté, même admiré. Mais vous trouverez déplaisant de n'être pas toujours aimé pour autant. Allons, vous devez connaître un peu mieux la nature humaine, nous aimons toujours ceux qui nous admirent, et nous n'aimons pas toujours ceux que nous admirons. Voilà. Horoscope Buffle. Amour. Vous aspirez à la sérénité dans votre vie conjugale. Si vous avez réussi dernièrement à régler des problèmes de couple et à repartir sur de nouvelles bases, vous pourrez beaucoup plus facilement consolider vos liens affectifs. Bref, la stabilité sera à l'ordre du jour. Célibataire, vous allez probablement rencontrer un partenaire intelligent ou une personnalité d'élite. Vous vous découvrirez de vraies affinités électives, une pensée politique, philosophique ou religieuse commune, ou encore des aspirations ou des préoccupations sociales semblables. Argent. Même si de nombreux soucis d'argent vous inquiètent, vous garderez le moral. Cette attitude positive, insufflée par l'astre Lemtrine, vous aidera à tirer parti d'une occasion inespérée et à redresser la situation. Santé. Cette fois, vous serez habité par un punch du tonnerre. Mais même si l'astre Waki, mal aspecté, vous souffle des comportements impulsifs, évitez de prendre des décisions à l'emporte-pièce que vous risqueriez de regretter rapidement, sans forcément pouvoir revenir en arrière. Ainsi votre vitalité ne s'en portera que mieux. Travail. Le présent climat astral vous donnera envie de vous mettre en valeur aux yeux de votre entourage professionnel. Vous saurez défendre vos projets avec conviction et adopter de nouvelles méthodes de travail capables de persuader vos supérieurs de vos qualités. Vie sociale. Sortez de votre tour d'ivoire et allez rencontrer le plus de gens excentriques possible. Ils dégageront vos horizons et vous procureront une bouffée d'air salutaire. Horoscope Tigre. Amour. Célibataire, profitez vite de cette journée riche en surprises heureuses. La planète tient donc animera votre vie amoureuse, favorisant les rencontres imprévues et originales. Quant au couple déjà lié, gare au coup de tête, le climat lunaire favorisant vos caprices et poussant votre conjoint ou partenaire à commettre des bourdes. Argent. Avec la planète Daoa en position difficile, vous vous inquiéterez exagérément de vos conditions matérielles d'existence. Soyez plus confiant, abrobiton du dieu mesure le vent. Évitez les dépenses superflues. Santé. L'influence de trois astres dans votre secteur santé risque de vous perturber. Rien de grave, rassurez-vous. Mais vous devrez faire face à une succession de petits maux. Si vous aviez prévu de faire des agapes, il va falloir vous montrer raisonnable, faute de quoi votre estomac et votre foie auront vite fait de vous rappeler à l'ordre. Attention également à un problème dentaire. Travail. Au travail, vous pourrez être créatif et concret en même temps, réussissant dans vos démarches les plus audacieuses. Propositions très intéressantes en vue. Mais la planète Daoa rendront parfois difficiles vos rapports avec les autres. On vous reprochera d'être tyrannique. Vie sociale.
La journée renforcera les probabilités d'affrontements et de mésententes issues du mauvais aspect de l'astre Mokduk. Ce sont surtout les échanges avec vos amis qui, tourmentés par vos états d'âme, laisseront à désirer. Il faudra faire tout votre possible pour préserver la bonne entente et des relations cordiales, car bien des choses que vous avez entreprises en différents domaines sont liées à ce climat. Horoscope chat. Amour. Cet environnement astral à prééminence vénusienne devrait remettre vos amours à l'honneur. Si vous vivez une relation suivie, l'heure sera aux négociations pour trouver un bon modus vivendi. Pour les solitaires, journée de passion et d'enthousiasme. Mais attention, vous aurez tellement envie d'être amoureux que vous risquez de vous précipiter un peu au hasard sur la première personne qui passera dans les parages. Un peu de patience vous permettrait de mieux choisir. Argent. L'astre Tiangong vous rendra visite. Profitez-en, le dieu de la chance devrait vous aider à améliorer vos revenus. Ce sera le moment ou jamais de négocier une prime quelconque ou, si vous disposez de quelques économies, de réorganiser vos placements. Santé. Les astres Cumon et Tiantru, tous deux mal positionnés dans votre ciel, peuvent vous souffler des envies néfastes à votre santé. Résistez aux tentations désastreuses. Concentrez vos efforts sur une bonne hygiène de vie et une pratique sportive régulière. Vous serez vous-même surpris d'en ressentir les bienfaits aussi rapidement. Travail. Vos relations avec vos collègues de travail manqueront franchement de cordialité. Vous regretterez ouvertement que l'esprit d'équipe ne souffle pas un peu plus fort, et certains, se sentant directement visés, vous en voudront à mort. Faites preuve de plus de diplomatie afin de vous faciliter les choses. Vie sociale. Ce climat astral à prédominance saturnienne atténuera le désordre de l'esprit, l'agitation mentale, au bénéfice de bons rapports avec le monde extérieur. Profitez-en pour développer votre vie sociale, pour mieux vous intégrer dans les groupements ou associations dont vous faites partie depuis quelque temps. Horoscope Dragon. Amour. Les yeux rivés sur l'horizon lointain, vous vous attacherez aujourd'hui à construire un bonheur conjugal stable et à renforcer vos relations avec votre conjoint ou partenaire. N'oubliez pas pour autant le présent et pensez à prendre les choses comme elles viennent. Si vous vivez seul, vous n'échapperez pas à un coup de cœur aujourd'hui. Il s'agira sans doute d'une attraction plus sensuelle que sentimentale, à en juger par cette position de l'astre Wangxiong dans votre ciel. Mais cela suffira pourtant à vous combler. Argent. Si vous êtes un collectionneur et aimez la brocante, vous aurez l'occasion de faire une acquisition intéressante aujourd'hui. Il faudra cependant garder la tête froide pour ne pas vous laisser tondre. Santé. Votre vitalité subira une petite baisse en raison des turbulences astrales actuelles. Ce sera le moment de vous rappeler que votre vie trépidante actuelle ne peut que déboucher sur une fatigue nerveuse dont il vous sera difficile de guérir. Soyez plus strict que de coutume dans vos habitudes alimentaires. Ne vous réfugiez pas dans la boulimie et la boisson. Ayez des heures fixes de repas, et prenez le temps de manger. Travail. De bonnes perspectives professionnelles. Vous aurez la ferme volonté de réussir. Mais attention, l'astre Truongxin pourrait vous souffler des ambitions déraisonnables. Essayez de bien mesurer ce à quoi vous pouvez prétendre. Ceux d'entre vous qui visent trop haut iront en effet au-devant d'une déception qui peut leur faire perdre du temps. Au contraire, si vous parvenez à cibler correctement vos projets, le succès sera à portée de main. Vie sociale. Vous aurez l'impression qu'on épie vos faits et gestes et que chacun sait ce que vous vouliez cacher. Tâchez de tenir un profil très bas afin d'éviter de provoquer des scandales. Mais en revanche, n'ayez aucun sentiment de culpabilité si ce que vous faites ne regarde que vous-même, vivez pour vous, non pour le bon plaisir des autres. Horoscope Serpent. Amour. Sous l'aile de la planète Kiepsa, en bonne position dans votre ciel, les amours conjugales seront bonnes. Toutefois, elles accuseront un caractère plus intellectuel que d'habitude. Vous aimerez vous lancer dans de longues discussions? Et si votre partenaire est à votre niveau, alors vous nagerez vraiment dans le bonheur. Célibataire, cet aspect de la planète Oakua vous inspirera et amplifiera vos passions. Chez vous, même une timide attraction naissante pourra devenir vite une grande flamme. Vos instincts risquent de vous submerger. Ne les laissez pas vous dominer complètement. Argent. Vous réfléchirez longuement avant d'opter pour tel ou tel mode de placement. Mais avant la fin de la journée, vous pourrez vous lancer dans une opération financière de grande envergure, engageant d'importants capitaux. Le climat astral vous secondera. Santé. L'astre Watin vous sera totalement favorable côté santé. Vous ne manquerez ni de dynamisme, ni d'enthousiasme. Mais attention à l'astre Temtai, qui pourra vous valoir des petits moments de nervosité. Essayez de vous détendre, et tout ira bien. Travail. Avec cet aspect de l'astre Tianqi,
approfondissez vos connaissances techniques en faisant des stages ou en suivant des cours particuliers. Surtout, laissez libre cours à votre curiosité et à votre désir de résoudre enfin les problèmes qui bloquent votre carrière. Vie sociale. Le goût de l'aventure, qui sommeille toujours en vous, se réveillera brusquement sous l'impulsion de la planète de Vuong. Vous ne penserez alors qu'à une chose, l'évasion sous toutes ses formes. Malheureusement, il vous faudra attendre le moment propice, car il vous restera encore une montagne d'obligations à accomplir sur le champ. Horoscope cheval. Amour. Vous baignerez dans la félicité conjugale. Ce sera carrément l'extase. Pour quelques-uns d'une année terre, cependant, ce climat astral pourrait provoquer des événements surprenants dans leur vie amoureuse. Une rupture pourrait s'avérer inévitable. Mais cette séparation serait positive en fin de compte et leur permettrait de devenir libres pour vivre un amour plus gratifiant. Célibataire, faites attention. Bien souvent, la passion et le désir obscurciront votre jugement. Résultat, vos amours risquent de vous procurer quelques complications. Soyez vigilant. Argent. Cette journée, sous l'influence de l'astre Van Cuck, renferme des risques de perte d'objets personnels. Il sera temps de prévoir une alarme à votre voiture et un système anti-vol électronique à votre résidence. Santé. Avec cette ambiance astrale favorable, pensez à entretenir votre corps. Si vous voulez éviter de vous rouiller et d'être patraque, quelques exercices de gymnastique quotidien pourraient suffire. N'attendez pas les prochaines vacances pour entamer une remise en forme. Travail. N'entreprendrez pas 100 choses à la fois, vous risquez de les abandonner une à une en chemin, et vous finirez par n'en réaliser aucune. Apprenez à connaître vos limites et soyez réaliste dans vos désirs. Vie sociale. Montrez-vous patient envers une personne dont le bavardage intarissable vous irrite généralement au plus haut point. Elle pourra vous fournir cette fois-ci un renseignement utile ou une bonne solution à un problème. Horoscope Book. Amour. Encouragé par l'astre Lemk en bel aspect, vous vous montrerez plus souple, plus tolérant envers votre conjoint ou partenaire. Et vous recevrez en retour toute l'affection que vous recherchez. Vous saurez cette fois prendre de judicieuses initiatives et mettre fin à certaines situations qui ne pouvaient plus durer. Célibataire, vous allez vous transformer en champion de la séduction. Vous mènerez plusieurs liaisons de front et serez amoureux de tout le monde. Et vous le clamerez. De quoi rendre fous vos différents partenaires. Argent. Méfiez-vous des dépenses exagérées, faites pour jeter de la poudre aux yeux de votre entourage. Comptez plutôt sur vos qualités personnelles pour vous mettre en valeur et évitez les extravagances qui ne joueraient d'ailleurs pas à votre avantage et qui, en outre, entameraient sérieusement votre budget. Santé. Si vous avez quelques ennuis de santé, les astres Wallock et Watin, très dynamisants, vous permettront de prendre rapidement le dessus. Seule la circulation veineuse pourra échapper à leurs influences. Si vous souffrez de troubles circulatoires, notamment de varices, consommez beaucoup d'oranges. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups, car ce fruit, très riche en vitamine C, permet de mieux combattre les maladies infectieuses et en même temps favorise la résistance des vaisseaux capillaires. Diminuez substantiellement votre consommation de graisse animale. Travail. Vous réussirez bien dans le cadre d'une activité politique, publicitaire, hôtelière ou touristique. C'est aussi dans ces domaines, sans compter celui du journalisme et des relations publiques, que vous établirez le plus facilement des contacts fructueux et agréables. Vie sociale. Renouveau dans les amitiés et les contacts. Des intermédiaires pourront vous faciliter les choses. Soyez cependant scrupuleux et sélectif dans votre choix. Horoscope singe. Amour. Conseil du sage l'astromoque duc, rien n'est plus dangereux pour un couple que le silence qui s'insinue lentement dans ses rapports mutuels et décourage sournoisement le dialogue. Réagissez. Discutez avec votre partenaire, abordez tous les sujets, même les plus tabous, même si vous avez du mal à garder votre sang-froid. Ce sera le meilleur moyen de crever l'abcès et de retrouver une belle complicité. Célibataire, côté cœur, situation confuse, impressions vagues et velléités alterneront, sans aboutir à rien de grave. Argent. Vous estimez que rien ne vaut l'exemple, et c'est pourquoi vous vous imposerez un strict programme d'économie, en priant vos proches de vous imiter. Progressivement, votre fermeté portera ses beaux fruits. Santé. Physiquement, vous vous porterez bien. Bonne résistance nerveuse, tonus et capacité de récupération remarquables. Les natifs du Nanéo devront surveiller davantage leur alimentation afin d'éviter de possibles lourdeurs stomacales. Travail. Avec cet aspect de l'astre Tianfuc, vous irez en droite ligne vers un nouveau succès professionnel. Fi, les jaloux.
Une tour se mesure à son nombre et l'homme de mérite au nombre de ses envieux. Vie sociale. Vous serez animé par un sens religieux ou un désir de justice qui vous pousseront puissamment à agir pour contribuer à l'élaboration d'un monde meilleur. Vous aimerez participer à divers mouvements de lutte ou organisations charitables. Vous aimerez aussi vous sentir en communion d'idées avec un entourage au sein duquel vous pouvez vous faire apprécier. Suivez vos inspirations, elles sont bonnes. Horoscope coq. Amour. La journée s'annonce particulièrement chaude sur le plan conjugal. Vous serez prêt pour une révélation sensuelle ou un grand incendie passionnel. Amoureux, vous vous montrez très décidé à séduire votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vos occupations en ce moment ne vous laisseront guère de temps pour l'amour. Coup de foudre ? Plutôt une amitié amoureuse qui aura son charme. Argent. Les événements tourneront en votre faveur. Profitez des bons influx de l'astre Taifu pour lancer une affaire importante, pour faire des démarches d'ordre financier, car vos chances de réussite seront meilleures qu'en d'autres temps. Si vous avez déjà quelques difficultés financières, tout finira par s'arranger à votre avantage dans les plus brefs délais. Santé. Cherchez à vous maintenir en forme par une bonne hygiène de vie quotidienne. Faites de l'exercice et surveillez votre alimentation. Si vous commencez un régime aujourd'hui, ce sera sous les meilleurs auspices. Travail. L'ambiance astrale indique que le moment sera bien choisi pour vous occuper de vos affaires, surtout si celles-ci sont dans des plans à long terme. Tout ce qui touche au voyage, à l'exportation, à l'importation, en un mot au commerce avec l'étranger, pourra vous être profitable. Ne négligez pas non plus le tourisme. Vie sociale. Attention. Votre tendance à la compassion sera renforcée aujourd'hui sous l'action de la planète Lion-Duc. Il est possible qu'elle vous amène à vous occuper exagérément des autres, au point de vous imposer de lourdes charges financières et autres. Ne vous laissez pas apitoyer par des déboires que l'on vous présentera sous un jour délibérément tragique. Horoscope chien. Amour. Cet aspect de la planète Daoa vous contraindra à faire encore des concessions dans vos relations conjugales, et vous ne saurez si vous aurez gain de cause, d'où une certaine tension. Célibataire, cet aspect de l'astre Tianfuk sera gage de détente et de romantisme. Il pourra vous apporter la satisfaction de petits flirts sans importance, mais qui vous permettront de prouver que vous n'avez rien perdu de votre instinct de chasseur et que vous séduisez quand vous vous en donnez les moyens. Argent. L'astre Truongxin cessera d'influencer votre secteur argent. Voilà un mouvement céleste dont vous ne pourrez que vous féliciter. En effet, Truongxin est par excellence la planète de la restriction et de la privation. L'influence de cet astre dans le secteur argent a pour effet de provoquer une période de stagnation, voire même de régression financière. Débarrassé de cet influx, vous allez enfin pouvoir compter sur la chance pour améliorer vos revenus. Santé. Avec la planète Jiatan pour seule planète directement liée à votre santé, vous ne devriez pas avoir grand-chose à craindre, hormis quelques légers problèmes de foie ou d'estomac si vous faites trop d'excès de table. Ce qui est un peu plus ennuyeux, en revanche, c'est l'influence de l'astre Mokduk en mauvaise posture, qui peut s'en prendre au moral de quelques-uns d'entre vous, en provoquant des états d'âme et des remises en question pas toujours faciles à vivre. Travail. Idées géniales et projets fourmilleront dans votre tête. Seulement, vous aurez des difficultés à les concrétiser par un manque d'esprit pratique. Ne vous inquiétez pas outre mesure, votre mal sera passager, et vous serez bientôt dans de bonnes dispositions d'agir. Vie sociale. Vous pourriez être tenté de vous lancer dans une action judiciaire, pour obtenir réparation de tort commis à votre encontre. Abandonnez cette idée, non seulement parce que le moment ne s'y prêtera guère, mais aussi parce qu'une année de procès engendre 10 années de rancune. Horoscope cochon. Amour. Vous deviendrez sans doute un peu moins rêveur et romantique que d'habitude. Mais, grâce à l'astre Tessa, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront chaleureuses et sensuelles. Attention, cependant, à ce que cette belle entente ne soit pas gâchée par des problèmes familiaux ou autres. Célibataire, dressez une cloison étanche entre votre vie amoureuse et les difficultés que vous pourrez rencontrer dans d'autres domaines. Restez disponible sur le plan affectif, ne serait-ce que pour satisfaire votre besoin d'être aimé, qui sera plus vif que d'habitude. Argent. La planète Wakai est une planète bénéfique et devrait vous porter chance en matière pécuniaire. Il faudra pourtant éviter de prendre trop de risques et vous méfier des envies d'achat déraisonnables. Santé. L'astre Kinduong bien positionné vous conseillera de penser à préserver votre énergie vitale. Si vous avez tendance à vivre plusieurs vies à la fois et à travailler trop, n'en oubliez pas pour autant de vous reposer, de vous détendre et, si possible, d'aller respirer au grand air.
Sachez aussi que conférences, expositions, nouvelles rencontres seront non seulement source de découvertes passionnantes mais aussi excellents moyens de récupération. Travail. Déblocage momentané dans votre travail. Vous n'aurez pas les coudées franches, et prendrez du retard par la faute des autres. N'en faites pas un drame, cela ne ferait qu'envenimer les choses. Si vous vous montrez calme et patient, au contraire, tout rentrera rapidement dans l'ordre. Vie sociale. Sous l'impulsion de l'astro-truc fut mal aspecté, vous ne vous embarrassez pas de subtilité. Vous prendrez plutôt plaisir à mettre de l'huile sur le feu. Ne vous étonnez donc pas si vous vous attirez des tas d'ennuis.